Bonjour à toutes et à tous, c'est Nicolas du site Eveium en esprit libre. Je vous salue, bienvenue à toutes et à tous dans cette vidéo au sein de laquelle nous allons effectuer la méditation du mois de mai traditionnelle du site Eveium. Donc, en ce jour, nous allons tout simplement travailler sur le mouvement et le non-mouvement. Donc sur le mouvement des énergies et sur l'accueil, le ressenti des énergies. Donc cette méditation va être axée sur ces deux aspects des choses. Donc nous allons particulièrement travailler à appeler les divines fréquences de notre présence. Ce qui nous rend vivants, ce qui nous fait percevoir les choses aussi à travers notre corps, ce qui rend vivant notre corps, à travers notre âme, nos différents corps de lumière, jusqu'au corps dense, corps de chair. Et nous allons donc travailler sur l'accueil de ces fréquences en notre point zéro. Donc, qu'on peut imaginer étant au centre de notre corps, au niveau du cœur. Donc, ça va être l'accueil du mouvement, donc le mouvement de la divine fréquence qui vient du ciel, mais qui en fait vient du point zéro, parce que notre pilier de lumière émane de notre point zéro, du centre de notre point zéro, car tout est en nous. Et en vérité, c'est notre point zéro qui s'expanse pour après se relier à notre pilier de lumière qui est l'expression aussi des autres cœurs, des autres êtres de la Voie lactée, par exemple, quand on se connecte au soleil central et également de Gaïa, quand on est ancré à Gaïa et donc des autres êtres humains aussi et des autres formes de vie de Gaïa. Donc on voit bien en observant cela que c'est dans le cœur, dans notre point zéro, dans notre cœur sacré, notre espace sacré, qu'on est relié à toute la vie de Gaïa, de la galaxie et d'au-delà, car toute vie est une, dans l'amour, l'intelligence et la lumière de la source divine qui crée toutes choses. Voilà. Donc on va travailler particulièrement sur deux aspects, notamment l'aspect de la pureté de l'être. Donc on va faire une invocation spécifique et lors du montage de cette vidéo, je mettrai en fond d'écran le Mont Blanc, hein, qui représente donc la blancheur, la pureté immaculée que j'ai enregistré. Donc le Mont Blanc, il faut savoir qu'il est habité par les êtres de lumière à plusieurs points de localisation sous le Mont Blanc. Et donc je les ai invités à imprégner leur divine fréquence, leur amour et leur lumière sur cette vidéo. Donc peut-être que certains le percevront, sachant que lors de mon séjour de purification au Mont Blanc, donc autour du 1er avril, j'ai vu de nombreux vaisseaux, dont certains très 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 importants, enfin, une dizaine de kilomètres, des kilomètres de long, qui gravitaient autour du massif du Mont Blanc. Voilà. Donc, peut-être que certains d'entre vous percevront cela. Donc, je mettrai cela en fond. Et un deuxième aspect des choses que l'on va travailler. C'est donc le silence, bien sûr. C'est l'accueil dans le silence, donc dans l'immobilité. Et on va avoir donc un équilibre entre le mouvement, donc l'appel des énergies, et l'immobilité, l'accueil au point zéro. Donc la réelle puissance de la source réside dans l'équilibre et l'harmonie de toutes choses, de tout ce qui est. Il y a toujours un équilibre, une harmonie, une fluidité. Et donc c'est ce que je vais essayer de vous proposer lors de cette méditation.
Donc, si vous êtes d'accord, on va commencer cette méditation. Donc, qu'on peut l'appeler la méditation de la pureté de l'être infini. Nous allons voir pourquoi. Donc, je vous propose de faire trois grandes respirations, tout simplement en étant dans le ressenti. Donc il est important de préciser que dans cette méditation, à aucun moment je vous demanderai de visualiser quoi que ce soit. Pourquoi? Parce que quand on commence à visualiser quelque chose, on fait appel déjà au plan mental. Le plan mental est relié notamment à notre ADN, à la matrice aussi, terrestre que nous vivons. Or, ce n'est pas l'objet de la méditation. Donc, l'objet, c'est de rester dans la pureté. Et la pureté, c'est vraiment, on va la trouver dans notre corps, dans ce qui est vivant en nous, dans notre ressenti, dans le ressenti de la vie qui s'exprime dans notre corps, dans nos cellules, dans nos organes, dans le flux de notre respiration, et qui se trouve aussi autour de nous, dans l'air, le prana, par exemple. Et dans ce qu'émettent aussi les vibrations de tout ce qui est vivant autour de nous, les végétaux, les animaux. Parce qu'ils émettent aussi des choses qui s'expansent aussi à travers le champ quantique multidimensionnel auquel nous sommes tous reliés. Donc c'est pour ça qu'on va éviter de visualiser. Par contre, on va se mettre pleinement dans le ressenti. Le ressenti de cette vie en nous et de la pureté de ce que nous sommes déjà et que l'on va essayer de retrouver à travers ce ressenti, à travers le corps, à travers l'incarnation. Donc ça va nous permettre aussi de faire descendre les fréquences de notre âme, de nos corps de lumière et de notre esprit dans le corps et donc de bien nous incarner dans le corps. Donc on y va. On commence par trois grandes respirations. Et on se centre au niveau du cœur. Donc on ressent ce qui se passe au centre de notre corps, même si on ne sait pas où c'est. On le ressent à travers donc le va-et-vient de notre respiration. Maintenant que nous avons calmé le mental à travers cette respiration, nous allons dire en pensée ou à voix haute. Je conseille de le dire à voix haute parce que ça va permettre d'exprimer la fréquence à travers l'instrument, à travers le complexe corporel. Le décret, l'invocation suivante que nous allons ensuite ressentir en notre point zéro, au centre de notre corps, en étant dans l'accueil de ce qui est, dans l'accueil de ce qui s'en vient, dans l'accueil de ce que nous sommes. Je suis la pureté de l'être infini. 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 Je suis la pureté de l'être infini.
Je suis la pureté de l'être infini. Je suis la pureté de l'être infini. Nous accueillons en notre centre. Reste bien dans l'observation. Et dans l'accueil. Tout en étant dans l'équilibre du mouvement de notre respiration. Du point zéro qui s'y trouve. Et en se plaçant au centre de notre corps. Restons également dans notre verticalité, donc en étant bien alignés, à partir de notre centre vers le centre de Gaïa, vers le cœur de Gaïa, et à partir de notre centre vers le centre de la Voie lactée, vers le soleil central, également dans l'immanence de l'horizontalité sur le plan quantique et universel. Maintenant que nous avons accueilli, nous allons recommencer le cycle, nous allons recommencer la séance afin qu'il y ait toujours cet équilibre du mouvement des énergies, de la parole, la mise en mouvement de la vibration et de l'accueil de la vibration dans le silence, dans le non-mouvement, au point zéro. Je suis la pureté de l'être originel. 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 Je suis la pureté de l'être originel.
et j'accueille au niveau de mon corps et de mon point zéro, dans le silence. Dire une troisième fois et encore une fois accueillir dans le silence. Donc lorsqu'on le dit, on reste bien centré sur son corps, comme si on se le disait à soi-même en fait. Je suis la pureté éternelle de l'être que je suis. Je suis la pureté éternelle de l'être infini que je suis. Je suis la pureté éternelle de l'être infini que je suis. Je suis la pureté éternelle de l'être infini que je suis. Je suis la pureté éternelle de l'être infini que je suis. Je suis la pureté éternelle de l'être infini que je suis. Je suis la pureté éternelle de l'être infini que je suis. Je suis la pureté éternelle de l'être infini que je suis. Je suis la pureté éternelle de l'être infini que je suis. Je suis la pureté éternelle de l'être infini que je suis. Je suis la pureté éternelle de l'être infini que je suis. Je suis la pureté éternelle de l'être infini que je suis. Je suis la pureté éternelle de l'être infini que je suis. Je suis la pureté éternelle de l'être infini que je suis. Je suis la pureté éternelle de l'être infini que je suis. Je suis la pureté éternelle de l'être infini que je suis. Je rends grâce, je rends gloire et je remercie à l'infini et sans limite.
Alors je vais arrêter là, mais si vous désirez continuer à être dans le silence et accueillir ce qui s'en vient de ce que vous êtes, vous pouvez mettre la vidéo en pause. Pour ma part, j'ai ressenti, j'ai visualisé, j'ai vu, si vous voulez, naturellement, sans le chercher, ressenti aussi beaucoup de lumière, de la chaleur. J'ai ressenti également la Kundalini froide au niveau de mes pieds, donc c'est la force de vie de Gaïa, de Mère Gaïa, qui est montée naturellement dans mon corps. Donc c'est la Kundalini qui n'est pas dangereuse, ne risque pas de griller nos canaux lorsqu'elle arrive jusqu'au cœur, car elle est équilibrée, elle est froide. Et on peut donc équilibrer cette Kundalini froide avec la Kundalini chaude, de façon à faire une Kundalini en équilibre, la Kundalini de l'équilibre, donc qui est plutôt tiède, qui est un mélange entre les fréquences de la Kundalini chaude et la Kundalini froide, bien entendu, toujours dans l'accueil de ce qui s'en vient. Et bien sûr, je vous déconseille de faire monter la Kundalini chaude jusqu'au cerveau, parce que ça peut vous faire griller les circuits. Ce n'est pas le but, bien entendu. Le but, c'est de rester dans l'accueil de ce qui s'en vient. Donc pour moi, j'ai ressenti cette Kundalini froide, voire tiède, en fonction des énergies chaudes qui m'arrivaient du haut. Et le froid et le chaud se mélangent en le centre, en mon cœur. Bien entendu, tout ce que chacun reçoit et perçoit et accueille en son corps est parfait pour lui à cet instant. Je vous remercie d'avoir suivi cette méditation. Alors, je suis conscient que ce n'est pas une méditation qui est forcément facile à faire, notamment par rapport au parasitage mental qui peut se produire, par rapport à certaines pensées qui peuvent apparaître. Donc si certaines pensées apparaissent pendant qu'on est dans l'accueil, par exemple, ben, tout simplement, on ne leur donne aucune énergie et on reste dans l'accueil. Et on se replace immédiatement par l'intention dans l'accueil de ce qui s'en vient. Et ainsi, la pensée parasitante ou interférente disparaît d'elle-même, parce qu'en tant que co-créateur, nous ne lui donnons pas d'énergie. Donc, nous faisons en sorte que notre conscience ne donne pas d'énergie à cette pensée, et donc, elle n'existe plus. Elle existe juste dans le moment présent où on l'émet, mais ensuite, on se remet dans le moment présent de l'accueil. C'est comme s'il n'y avait jamais eu cette pensée parasitante ou interférente. Donc n'hésitez pas, si le cœur vous en dit, à vous entraîner, si vous n'y êtes pas parvenu, à faire cette méditation et cet accueil dans le silence. Pour ma part, je considère que la méditation du silence est la méditation la plus puissante, parce que c'est la méditation, ou l'une des plus puissantes, parce que ce sont des méditations qui ne font pas intervenir le mental, mais on reste dans la conscience, dans l'observation active, dans l'accueil de ce qui s'en vient, de ce que nous sommes. Et finalement, on va vers cette pleine conscience de ce que nous sommes, en ce que nous sommes, tout simplement. Merci beaucoup de m'avoir suivi. Donc les guides me disent de rappeler également qu'il est important d'être en sa présence de façon journalière, de façon à bien se relier à soi-même, à son essence, à son âme, à son esprit. Une demi-heure par jour, quelque chose de conseillé, voire un peu moins, un peu plus, suivant chaque personne, bien entendu. Mais une demi-heure par jour, c'est pour moi quelque chose qui est minimum. Et on peut le faire n'importe où.
quand on a 5 minutes dans le transport en commun, on peut voilà, se concentrer sur cette respiration en s'isolant par exemple avec une musique, voilà, des choses comme ça. On peut méditer un peu partout, même en marchant, même en dormant. Voilà, il existe tout un tas de techniques et de méthodes qui fait qu'on peut être pleinement conscient du fait qu'on n'est pas seulement sur un plan en même temps, mais qu'on est sur différents plans en même temps, et que nous sommes des êtres multidimensionnels. Voilà. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous rends grâce et je vous rends gloire. J'honore votre divine présence, votre divinité et votre âme. Merci infiniment et rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle méditation. Au revoir à tous. Je vous aime. À bientôt.